Bonjour tout le monde. Bonjour Nabila. Bonjour docteur. Bonjour tout le monde, bonjour Adèle, bonjour professeur Aouich. Alors, je me présente, Nabila Sabour, superviseur médical du laboratoire Infamy 10. À au nom du laboratoire Infamy 10, je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, voilà, aujourd'hui, on va faire un webinaire avec notre cher estimé professeur Aouich, diabétologue à l'hôpital Mustapha Bacha, sous le thème de la prise en charge nutritionnelle de diabétique type 2. Voilà, et je vous souhaite un excellent webinaire et je laisse la parole à mon collègue Adel. Voilà. Merci beaucoup, Nabila. Donc, c'est Adel chargé de la communication des laboratoires Infamedis. Donc, encore une fois, en mon nom et au nom des laboratoires Infamedis, je vous remercie pour votre présence que nous avons et nous avons et nous allons répondre à vos besoins en matière de formation. Je remercie également Dr. Aouich pour la présence, pour le partage. Je vous remercie de nous avoir donné de votre temps. Donc, notre webinaire va se dérouler en deux parties. En premier lieu, nous allons passer à la présentation avec notre professeur docteur Wish. Et en deuxième lieu, nous passerons aux questions-réponses. Donc, vous allez noter toutes vos questions sur la partie chat de la plateforme de répondre à toutes vos questions. Donc, sans plus tarder, je cède la parole au professeur Aouich. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Adèle. Bonsoir Nabila. Alors, donc, c'est toujours un plaisir de se retrouver ensemble. Et là, en fait, je pense que le thème intéresserait quand même pas mal de vous. Il s'agit de parler de la prise en charge nutritionnelle du patient diabétique de type 2. Alors là, ce que je vous propose, comme à l'accoutumée, donc c'est un cas clinique qui nous permettra éventuellement pas de proposer une assiette, mais plutôt de soigner une assiette d'un patient diabétique donc de type 2. Donc un grand merci au laboratoire Infamedis qui active trop dans la formation continue. On le salue au passage. Et là, sans trop tarder, je vais commencer par un cas clinique. Et là, vous le voyez bien, il s'agit de Monsieur Marwan. Donc, nous sommes devant un patient qui est âgé de 55 ans. Il est peintre. Il consulte à la suite d'une visite de médecine de travail au cours de laquelle on a trouvé une tension artérielle qui a été retrouvée élevée, donc à 155 pour la systolique et 96 pour la diastolique. Alors, on a essayé un petit peu de chercher sur le plan antécédent. Donc, il n'a pas réellement d'antécédents médicaux, donc personnels, donc notables. Mais on note la notion d'hérédité d'hypertension artérielle, donc hypertension chez le papa et d'hérédité diabétique. Alors, il ne se plaint pas de dyspnée née de douleur thoracique, mais il me relate qu'il a tout simplement pris du poids au cours des 2 dernières années, ce qu'il attribue au fait qu'il a dû interrompre le sport du fait qu'il présente des douleurs au niveau des genoux. Ce sont des douleurs au fait mécaniques. Alors, Marwan aussi signale qu'il n'a plus le temps de faire un véritable déjeuner. Alors, il n'arrête pas de manger quand il rentre chez lui. Je pense que c'est le cas de pas mal, malheureusement, donc d'Algériens. Et là, au fait, il mange beaucoup, donc vers 18 heures, il prend du pain avec du fromage. Et il m'a signalé qu'il boit 4 verres de soda par jour, un peu plus, peut-être même le week-end. Et comme vous le voyez, donc c'est un patient aussi qui est fumeur. Il fume 15 cigarettes par jour. Alors, si je regarde maintenant par rapport à l'examen clinique, donc je l'ai pesé, il est à 88 kilos pour une taille de 1,71 m. J'ai pris tout simplement, j'ai calculé son BMI. Donc là, il est déjà dans l'obésité grade 1. Son tour de taille, c'est à 110, donc on peut dire éventuellement qu'il a une obésité androïde. Sa pression artérielle, je l'ai prise après 10 minutes de décubitus. Et là, je la trouve toujours à 155 et 95 aux deux bras. Alors, il n'existe pas d'anomalie à l'examen donc cardiovasculaire. Il n'a pas d'hypotension orthostatique et on ne retrouve pas d'anomalie donc à la bandelette urinaire.
Alors donc, si on essaye de comprendre ce patient, d'abord la première question qui se pose par rapport à ce patient chez qui j'ai trouvé quand même des tensions artérielles, on va dire donc un peu élevées, est-ce que réellement il est hypertendu? Et est-ce qu'on peut éventuellement, comment peut-on confirmer l'hypertension artérielle chez lui? Et la deuxième question que je peux me poser, c'est quel bilan complémentaire que je dois demander chez mon patient Marwan? Alors, je pense que vous avez donc déjà répondu par rapport à la première. Donc là, on ne peut pas éventuellement faire le diagnostic parce qu'il s'agit probablement aussi, on peut être devant une HT à blouse blanche, mais il s'agit d'aller confirmer. Donc, au cabinet, ce n'est pas une bonne méthode pour confirmation. Il s'agit de demander plutôt donc de l'automesure. Donc, ce que je peux éventuellement demander à ce patient, c'est d'acquérir un appareil d'automesure tensionnelle. Comme vous le savez maintenant, c'est les appareils électroniques qui sont validés pour éventuellement rechercher, donc c'est-à-dire donc faire mesurer la tension artérielle. Et là, je peux éventuellement lui demander donc de faire la méthode de 3x3. Et ça, c'est pour éventuellement éviter et écarter l'effet blouse blanche. Si maintenant j'ai envie de faire mieux, je peux demander la MAPA. Donc les deux examens aujourd'hui, c'est-à-dire sont intéressants pour confirmer le diagnostic de l'hypertension artérielle. Alors maintenant, par rapport bien sûr au bilan complémentaire, nous sommes devant un patient quand même. Donc là, il a des stigmates, comme vous l'avez bien compris, il a des stigmates de syndrome métabolique et probablement une hypertension artérielle. Donc, dès lors, je dois compléter par un ECG, je dois compléter par ionogramme sanguin, un bilan rénal s'impose, une glycémie aussi à jeun, la recherche d'un diabète sucré. Je pourrais éventuellement demander aussi l'acide urique et on va le voir pourquoi. Parce que l'acide urique, vous savez que chez les sujets qui présentent des syndromes métaboliques, peuvent avoir aussi en parallèle une hyperuricémie. Et si on voit donc la définition de l'OMS par rapport au syndrome métabolique, l'hyperuricémie fait partie des critères. Et je demanderai aussi un bilan hépatique, donc pour rechercher éventuellement, bien sûr une écho hépatique, elle serait intéressante, mais le bilan hépatique pour rechercher donc le Nash syndrome. Alors quand je vois maintenant par rapport à ce patient, voici ce qui s'est passé. Donc il est revenu à la consultation, effectivement, il m'a ramené une MAPA qui a été faite et l'hypertension artérielle, donc elle est confirmée chez lui. L'ECG, donc elle est normale. Sur le blanc biologique, donc là j'ai trouvé une glycémie à jeun qui est quand même limite, là vous la voyez, elle est à 1,10, un taux de HDL cholestérol bas à 0,34 et j'ai trouvé des triglycérides qui sont élevés à 2,50 avec un taux de LDL cholestérol, là vous le voyez bien qu'il est quand même à 1,63, donc je peux dire qu'il est élevé. Alors à partir de là, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de dire que ce patient présente un syndrome métabolique? Donc là vous les voyez qu'il y a tous les facteurs. D'abord, commençons par le tour de taille. Donc, le tour de taille qui témoigne déjà d'une obésité androïde. On est bien d'accord. Donc, l'hypertension artérielle, elle est confirmée. C'est un critère mineur. Je trouve aussi l'hyperglycémie à jeun parce que si on cherche un petit peu dans la définition de l'IDF, on parle de l'hyperglycémie à partir déjà du chiffre de 1 gramme et non pas de 1,10. Et mon patient, il présente déjà une glycémie à 1,10. Alors, je vois que son taux de HDL cholestérol, il est bas avec un TG qui est élevé. Donc, j'ai déjà un critère majeur qui est le tour de taille associé déjà à quatre critères. Donc là, il a un syndrome métabolique, si vous voulez, typique, qu'on voit habituellement en pratique. Alors maintenant, est-ce que réellement ce bilan que j'ai demandé, c'est-à-dire le bilan glucidique de base, est suffisant ou bien je dois pousser l'exploration? Alors bien sûr, donc vous avez devant vous un malade qui présente un syndrome métabolique, on l'a bien dit, et une hyperglycémie quand même qui est modérée à jeun, qui est 1,10. Je dois obligatoirement rechercher un diabète sucré parce que là, je peux être effectivement devant une hyperglycémie modérée à jeun, mais il s'agit de faire deux choses. D'abord, de demander l'hémoglobine glycée, ou mieux, je peux demander l'hyperglycémie provoquée par voie orale avec 75 grammes de glucose sur 2 heures. C'est ce que j'ai fait chez mon patient et voici donc le résultat. Alors le résultat, c'est que à jeun, toujours, donc j'ai trouvé un 0,9, mais à 2 heures, j'ai trouvé un chiffre de 2,05. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon patient, effectivement, le diagnostic du diabète sucré, il est posé. Alors, si j'essaye maintenant de résumer la situation, quel élément que je dois intégrer pour évaluer le risque cardiovasculaire chez ce patient? D'abord,
si je vois de près déjà l'âge, vous savez très très bien qu'on prend l'âge comme un facteur de risque chez l'homme à partir déjà de 50 ans. Il est âgé plus de 50 ans. Il présente un syndrome métabolique, là on vient de le voir, il est typique avec un diabète de type 2 qui vient d'être confirmé. Il présente aussi une HTA grade 1 qui a été confirmée donc grâce à la MAPA. Alors on a vu que son taux de cholestérol donc est élevé. À partir de là, je dois voir aussi les autres facteurs de risque. J'ai trouvé aussi qu'il est tabagique toujours actif. Et quand je vois aussi un autre élément qu'il faut toujours considérer pour scorer le risque cardiovasculaire, c'est de demander à ce que mon patient n'a pas d'atteinte d'un organe cible. Donc, dès lors, je dois compléter par la microalbe et bien sûr par regarder un petit peu le retentissement sur le cœur et le rein. À partir de là, donc, je score mon patient et je vais me dire, alors ce patient-là qui présente un diabète avec un syndrome métabolique, et là, on voit bien qu'il présente plus de 3 facteurs de risque. À partir de là, comment je peux dire? Eh ben, tout simplement, je vais utiliser le score qu'on utilise aujourd'hui et le plus récent, il s'agit de regarder le score de l'ESC 2019. Alors là, on classe le patient diabétique déjà quand on vous dit si on a un diabétique avec une maladie cardiovasculaire établie ou bien un diabétique qui a une atteinte d'organe cible ou bien qui présente plus de 3 facteurs de risque. Alors, si je regarde mon patient, effectivement, il est là. Donc, c'est un patient qui est déjà dans le risque, donc très haut risque cardiovasculaire. Alors, pourquoi c'est important de voir ça? Parce que tout simplement, à partir de là, j'aurai des objectifs, déjà des objectifs sur le plan glycémique, c'est évident, mais aussi des objectifs sur le plan tensionnel et lipidique. Donc, si on a envie de regarder si mon patient, à quelle cible LDL chez lui, il s'agit bien de regarder et de scorer le risque cardiovasculaire chez notre patient. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres examens complémentaires qu'on doit faire? Bon, chez ce patient, vous avez très très bien deviné, oui. Donc là, il s'agit de demander une écho hépatique à la recherche d'une stéatose hépatique. Je peux même faire le FIB-4, éventuellement le score, ça me permet éventuellement de rechercher une éventuelle fibrose donc hépatique. Et là, il s'agit de regarder aussi de voir est-ce que la stéatose hépatique ne va pas éventuellement alimenter le risque cardiovasculaire. Mais il y a aussi un élément qui est très intéressant, c'est de regarder est-ce qu'il ne présente pas aussi un syndrome d'apnée du sommeil. Et là, c'est important à la recherche déjà cliniquement des stigmates qui peuvent éventuellement évoquer. Si je trouve des stigmates, à partir de là, je peux demander la polygraphie ou mieux la polysomnographie. Maintenant, bien sûr, alors on est devant un diabète récent, donc c'est un diabète inaugural, mais ça ne veut pas dire que son diabète il a démarré maintenant. On peut estimer déjà 4 ans, 5 ans peut-être de diabète ancien. Et à partir de là, je dois faire un bilan des complications. Et le bilan des complications du diabète, vous les connaissez bien. Déjà, j'ai demandé le CG, je peux demander l'écho-cœur. Je demanderai aussi, je peux faire l'EPS aussi des membres inférieurs. C'est intéressant de rechercher une artériopathie. Et aussi, je dois demander un bilan pour la microangiopathie, la microalbe, comme on vient de le dire. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'examen ophtalmologique à la recherche du retentissement de l'hypertension artérielle et du diabète sucré. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, il y a des objectifs chez Marwan. Alors, ce Marwan qui vient chez moi, alors bien sûr, on doit expliquer, il y a des objectifs qui sont spécifiques à Marwan. Donc, ceci veut dire que tout simplement, on doit équilibrer son diabète, on doit tout simplement agir sur tous les facteurs de risque. Alors, n'oubliez pas que c'est un fumeur, donc je dois lui faire un entretien motivationnel, histoire éventuellement de le motiver déjà à éventuellement à sévrer le tabac. Il est obèse, donc là vous l'avez bien vu qu'il a pris 10 kilos parce qu'il a une alimentation malheureusement non adaptée, ce qui explique que ça a favorisé déjà l'apparition du diabète, de l'hypertension artérielle et peut-être même de la dyslipidémie. Donc je dois le faire maigrir, mais en même temps c'est un malade où je dois aussi équilibrer sa tension, sa dyslipidémie. Donc ce sont des mesures, si vous voulez, c'est des objectifs spécifiques typiques à ce patient Marwan. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de l'individualisation de la prise en charge, en prenant compte, bien sûr, du profil de mon patient. Et ça, c'est la feuille de route de la prise en charge proposée par l'ADA-EASD en 2018, qu'on utilise au jour d'aujourd'hui. Et bien sûr, qui est intéressante parce qu'il s'agit tout simplement de placer une stratégie thérapeutique qui répond éventuellement aux besoins de ce patient-là. Donc maintenant, avant même d'instaurer une thérapeutique, toujours, une fois que j'ai scoré le risque cardiovasculaire, je dois me poser la question, mais quel serait l'objectif HbA1c chez ce patient?
Alors, je pense que vous l'avez très, très bien deviné. Il s'agit bien sûr d'être strict. Et à partir de là, je vais me dire, oui, effectivement, il faut être inférieur à 7%, mais pourquoi pas peut-être inférieur à 6,5%. Ça veut dire entre 6 et 6,5%. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, vous avez des recommandations aujourd'hui. Maintenant, j'aime bien cette plaque de Bailey qui montre bien en fonction du profil. Et là, regardez, si on a un malade nouvellement diagnostiqué, surtout s'il est obèse ou surpoids et qui n'a pas encore compliqué, eh ben oui, il faut aller trop bas, mais sans pour autant aller au-dessous de 6%. Ça veut dire qu'il faut le mettre à l'abri des hypoglycémies. Et là, bien sûr, le 6,5, ça lui convient bien. Maintenant, si vous avez peut-être répondu inférieur à 7, c'est aussi juste, hein. Mais l'idée, c'est de dire de ne pas aller au-dessus de 7%. Parce qu'on a besoin, on connaît aujourd'hui que l'équilibre glycémique intervient dans le risque des complications dégénératives. Plus j'aurai un malade déséquilibré, plus j'aurai des complications macro- et micro-angiopathiques. Donc, ce patient, j'ai bien envie de le mettre à l'abri de ces complications, surtout macro-angiopathiques, parce que déjà, il est classé dans le trio risque cardiovasculaire. À partir de là, maintenant, on va se poser la question, mais quel serait le choix le plus approprié pour déjà démarrer donc un traitement initial chez lui? Alors, est-ce que je dois placer une insuline basale? Est-ce que peut-être avec des règles hégiodiététiques, je dois placer de la metformine? Je dois placer un sulfamide, des règles hégiodiététiques? Je dois placer un inhibiteur des PPP4 avec règles hégiodiététiques ou bien insuline prémélangée une fois par jour? Ou bien vous avez pensé peut-être à autre chose? Alors, pour répondre à cette question, évidemment, vous allez me dire, mais vous m'avez pas donné l'hémoglobine glyquée. Alors, j'ai fait exprès de ne pas préciser le taux de l'hémoglobine glyquée. C'est de dire, au jour d'aujourd'hui, devant tout patient diabétique qu'on découvre son diabète, quel que soit éventuellement le taux de l'hémoglobine glyquée, il s'agit de commencer par des règles hygiénodiététiques et de la metformine. Ça veut dire, c'est le traitement qu'on utilise habituellement et toutes les recommandations convergent vers ça. Et de dire effectivement, il faut placer, et là on le voit bien dans les standards de Diabetes Care, donc 2021, de l'ADA, on nous demande aujourd'hui, comme vous le voyez bien, d'instaurer, et là vous le voyez bien, donc un diabète inaugural, des règles hygiénodiététiques avec tout simplement de la metformine. Pourquoi la metformine? Parce que tout simplement, la metformine, déjà, il y a cette histoire qu'elle n'est pas hypoglycémiante, mais qu'elle est anti-hyperglycémiante, ça veut dire le risque hypoglycémique, il est faible. Aussi, c'est un produit qui n'est pas coûteux, c'est un produit qui a une efficacité métabolique très intéressante parce que ça fait perdre quand même, baisser l'hémoglobine glyquée jusqu'à 2 à 2,5, et en même temps, bien toléré, et en même temps, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est un traitement quand même qui est intéressant par rapport à la protection cardiovasculaire, comme on l'a vu dans l'étude du KPDS, où ça faisait baisser quand même le risque cardiovasculaire de 43%. Donc, la metformine, oui, toutes les recommandations et les guidelines la mettent maintenant en première intention, mais à condition de donner quand même de la metformine à dose maximale tolérée. Et c'est ça, au fait, l'objectif aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut pas placer des petites doses, mais il faut aller quand même à des doses, bien sûr, tolérées, à des fortes doses. Il n'y a pas de risque. Alors bon, maintenant, avant même de placer, c'est-à-dire donc un traitement, il faut quand même prendre ce patient sur le plan alimentaire. Et ce qui est intéressant, c'est de faire l'enquête alimentaire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement en pratique, nous on essaye un petit peu de proposer une assiette donc pour un patient diabétique nouvellement diagnostiqué, en lui expliquant évidemment donc qu'est-ce qu'il doit manger, qu'est-ce qu'il doit pas manger. Est-ce que réellement c'est la bonne méthode? La réponse est non. D'abord, on doit regarder qu'est-ce qu'il mange et de faire ce qu'on appelle le diagnostic diététique. Et ça, c'est très important donc en pratique, parce que tout simplement, on ne propose pas une assiette, mais plutôt on soigne une assiette d'un patient. Alors là, vous voyez bien que l'interrogatoire, il est très important, parce que je dois évaluer quoi? Je dois d'abord évaluer le comportement alimentaire de Monsieur Marouane, pardon. Et là, je dois faire une enquête alimentaire qui me permettra par la suite de corriger ses erreurs diététiques et de lui proposer une assiette qui serait adaptée à lui en fonction de ses besoins. Et bien sûr, le but final, c'est aussi d'équilibrer le diabète, mais aussi de réduire le poids. Ça veut dire on va agir sur un régime hypocalorique tout en équilibrant son alimentation. Alors, c'est pour ça qu'en pratique, c'est très important de tenir compte des habitudes du patient. Alors,
plus on tient compte des habitudes du patient sur le plan alimentaire, meilleure sera l'adhésion au conseil. Et bien sûr, on vous dit, quel que soit le type de diabète, le patient diabétique doit avoir une alimentation qui est équilibrée. On va le voir, qu'est-ce que ça veut dire une alimentation équilibrée. Elle doit être variée, elle doit être régulière. Et c'est ça le but en pratique par rapport à nos patients, bien sûr, diabétiques. Alors, bien sûr, en dehors de ces règles hygiéno-diététiques, quel autre facteur que je dois intégrer pour une meilleure prise en charge? Vous l'avez très, très bien deviné. Et là, c'est la perte du poids. Mon patient doit obligatoirement perdre du poids. Et ça, c'est très important. Parce que si on a envie maintenant de réduire en quelque sorte l'insulino-résistance, qui est on va dire le versant majeur dans la physiopathologie du diabète de type 2 et spécifiquement chez ce patient, eh bien, il s'agit quand même de lui faire perdre du poids. On améliore tous les paramètres, que ce soit glucidique, lipidique, l'hypertension et bien sûr le bien-être aussi du patient. Donc, à partir de là, on a compris que soigner son assiette, ça devient quand même une priorité avant même de proposer donc une thérapeutique. Oui, je propose de la metformine, mais en même temps, on n'oublie pas les règles hygiéno-diététiques. Alors, ce patient, bien sûr, qu'est-ce qu'on doit lui proposer? Donc, c'est vrai que il y a des objectifs à court terme, c'est d'améliorer ses glycémies, bien sûr, mais on a des objectifs à long terme, c'est éventuellement couplé. C'est thérapeutique, ça veut dire on va coupler les ADO chez lui, on va coupler l'alimentation, une bonne alimentation équilibrée, mais surtout n'oubliez pas de le faire bouger parce que là, l'activité physique quand même, elle est très très importante chez ce patient. Mais on va s'intéresser essentiellement sur ce volet nutritionnel et comment éventuellement aller équilibrer ce patient sur le plan alimentaire. Alors tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les études l'ont bien montré, proposer, si vous voulez, donc une modification du lifestyle, donc de c'est-à-dire donc des règles hygiéno-diététiques, si on va éventuellement les améliorer. Regardez, ça permet quand même d'avoir un impact très très intéressant, essentiellement sur le risque cardiovasculaire. Et là, vous voyez qu'on aura un impact sur la tension, sur la glycémie, mais aussi sur le contrôle lipidique. Et tout ça, ça permet quand même, chez un patient qui est déjà dans le très haut risque cardiovasculaire, d'améliorer ses paramètres sur le plan cardiovasculaire. Alors, toute la question qui se pose, que je dois faire, c'est ce patient. Alors, bien sûr, on propose, c'est ce qu'on fait en pratique. D'abord, on lui demandera donc d'arrêter du tabac. On ne va pas rentrer dans la façon de le faire, mais il s'agit de lui faire un entretien motivationnel pour éventuellement lui sévrer son tabac. On lui proposera bien sûr une activité physique d'endurance. Bien sûr, il doit d'abord être exploré sur le plan cardiaque pour éventuellement lui proposer cette activité physique qui doit être régulière, soutenue, au moins 150 minutes par semaine. On doit lui proposer une nutrition saine, donc il faut perdre du poids, mais aussi, comme vous le voyez, les conséquences sont en bas. Donc, ça veut dire que ça permettra d'améliorer tous les paramètres. OK, on a compris ça, mais maintenant, quel est l'intérêt, bien sûr, de cette éducation nutritionnelle chez ce patient? Est-ce que réellement, elle va m'apporter un plus? La réponse est oui, parce que là, il y a des recommandations. On se base sur l'éducation thérapeutique, mais parfois, on propose des thérapeutiques des ADO, mais on oublie éventuellement de corriger l'assiette de ce patient. Alors là, vous voyez que la nutrition, l'approche nutritionnelle, elle fait partie intégrante dans la prise en charge essentiellement du patient diabétique de type 2. Donc, c'est pour ça qu'on a des recommandations. Et là, vous les voyez, donc, les recommandations de 2020 de l'ADA, donc, nous propose de proposer, donc, un plan alimentaire. Et là, vous voyez bien qu'on utilise le mot plan alimentaire. Alors, plan alimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà planifié ensemble une assiette que le patient, bien sûr, ce qui permet bien sûr au patient d'adhérer à ce régime qu'on va éventuellement lui proposer. C'est ça ce qu'on appelle le plan. Ça veut dire qu'il y a derrière un accordage, il y a toute une éducation qui a été faite, on a compris ce patient-là, et à partir de là, on va tout simplement, on vous dit plan alimentaire personnalisé. Personnalisé, ça veut dire qu'il obéit aux exigences de ce patient. Alors, je ne vais pas proposer donc à un patient de manger des crudités si ce n'est pas végétarien. Donc là, vous voyez qu'on voit les préférences aussi du patient, mais on regarde aussi d'autres paramètres qui sont intéressants.
Alors, regardez un petit peu l'objectif de la perte du poids. Ce qui est recommandé, c'est de lui faire perdre du poids au moins 5% pendant la première année. Et là, on va lui dire, voilà, éviter la consommation des boissons sucrées, des produits qui contiennent du sucre ajouté. Ça, c'est quand même pas intéressant. Et là, on va privilégier essentiellement les produits à faible index glycémique et avec des fibres alimentaires. Et bien sûr, pourquoi pas un régime méditerranéen qui était quand même intéressant chez nous, malheureusement, qu'on a abandonné en quelque sorte. Mais en pratique, comment faire par rapport à tout ça? Parce que là, c'est bien de lire les recommandations et vous allez me dire, mais bon, on connaît ça, mais comment faire en pratique et comment aller soigner l'assiette de ce patient Marwan? Alors, les objectifs sont clairs. D'abord, je dois discuter avec Marwan. Marwan, il faut perdre du poids. Alors, ça, c'est une façon aussi de le motiver. Il sait très, très bien qu'il a pris du poids. Il sait très bien qu'il a pris 10 kilos quand même en 2 ans et qu'il est obligé quand même d'aller perdre du poids, déjà pour la sensation par rapport à ses douleurs mécaniques qu'il a articulaires. Certainement, donc, il développe un problème arthrosique au niveau donc des genoux. Et bien sûr, la perte du poids est primordial en quelque sorte pour lui. Déjà, c'est une façon de le motiver, de lui dire, voilà, Marwan, si vous allez faire ça, voici les conséquences quand même intéressantes par rapport à vous. Mais on doit aussi faire l'enquête alimentaire. C'est ce que j'ai fait chez ce patient. J'ai essayé un petit peu de comprendre ce patient par rapport à son alimentation. Alors, c'est vrai qu'il m'avait relaté que tout simplement, il prenait quand il rentrait chez lui, donc du fromage avec du pain. Mais j'ai essayé aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport aux principaux repas. Alors regardez qu'est-ce qu'il me dit. Au petit déjeuner, je prends mon café au lait avec du pain, l'huile d'olive, quelques fruits. Au déjeuner, il me dit, je déjeune un repas rapide, je ne grignote pas, mais je bois 2 litres par jour. Alors, et bien sûr, au dîner, il me dit, je prends de la viande, des légumes, pommes de terre, fruits, pain, et aussi des verres à jus, donc des verres de jus, 2-3 verres de jus. Alors, toute la question qu'on doit poser, parce que là, on a essayé de comprendre ce patient, mais on n'a pas réellement eu les détails des détails, parce que là, il faut affiner l'interrogatoire. Alors, un patient qui me dit café au lait, mais combien? C'est-à-dire, donc, avec du pain, combien de pain? Vous prenez de l'huile d'olive, quelle est la quantité? Les fruits, quels fruits que vous avez pris? Donc, vous voyez que aller dans le détail et regarder un petit peu ce qu'il mange, c'est très intéressant. C'est pour ça que, aujourd'hui, l'enquête alimentaire qui est faite, elle est basée essentiellement. Alors, il y a plusieurs façons de la faire. Soit on demande, c'est ce qu'on appelle l'enquête alimentaire des 24 heures, ça veut dire donc de la veille, ou bien on peut la faire sur 3 jours. 3 jours, ça veut dire on va demander aux patients de faire sur 2 jours de semaine et 1 jour de week-end, ou bien jour férié. Ça nous donne un petit peu une idée. J'ai une autre façon aussi de faire mon enquête alimentaire, c'est ce qu'on appelle le semainier. Le semainier, il s'agit de demander un carnet alimentaire chez ce patient et il va tout simplement nous écrire pendant une semaine tout ce qu'il a mangé sur une semaine. C'est très intéressant parce que ça nous donne une approche globale, une vision globale. Mais bon, ça demande, c'est un peu astreignant pour le patient de noter tout ça. Mais bon, en pratique, on vous dit que ce sont c'est-à-dire la méthode de faire de l'enquête alimentaire sont validées par rapport aux 3. Donc, on peut les faire et ça nous donne une idée sur la façon comment le patient mange. Alors, aussi au déjeuner, je n'ai pas compris, il me dit 2 litres par jour, mais il s'agit de quoi exactement? Est-ce que c'est des sodas sucrés? Est-ce que c'est des sodas light? Ou bien il s'agit de l'eau? Mais déjà, le malade, il m'avait parlé de soda. Et en même temps, regardez, il prend des légumes, mais quelle sorte de légumes? S'agit-il de légumes, plutôt des viande rouge, viande blanche, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est de la viande d'agneau ou bien la viande du mouton? Donc, vous voyez que c'est pas la même chose. À partir de là, on essaiera de comprendre par rapport à tout ça. Donc, enquête alimentaire détaillée, oui, très intéressante. Parce que c'est à partir de ces données-là qu'on peut éventuellement corriger les paramètres de ce patient. Donc, c'est pour ça qu'en pratique, il s'agit pas juste de regarder ce qu'il mange le patient. Alors, il s'agit aussi de voir les contraintes. Pourquoi il grignote ce patient? C'est important. Alors, si quelqu'un il est stressé, c'est tout à fait normal que ça lui donne envie de cette boulimie qui va s'installer, le grignotage. Et là, il faut agir sur cette composante de stress. Alors, si je vois aussi pourquoi il mange, par exemple, je trouve quelqu'un, il mange trop de pâtes, je dois me poser la question, est-ce que réellement, sur le plan financier, il a les moyens de s'offrir des fruits ou bien des légumes?
sachant que malheureusement, on voit surtout avec ces derniers jours que ça coûte quand même excessivement cher pour un patient d'aller vers les légumes ou bien donc vers les fruits, parce que tout simplement, il y a une augmentation des prix. Donc là, il faut quand même regarder aussi par rapport sur le plan financier, est-ce que ce patient-là peut se permettre. Mais aussi, il y a d'autres paramètres. Alors, c'est pour ça qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la consultation diététique. Alors, c'est quoi cette histoire de consultation diététique? La consultation diététique, elle est propre à chaque individu. C'est comme on fait la consultation du diabète, on fait la consultation diététique. Tout à l'heure, on l'a exploré sur le plan cardiovasculaire, on va l'explorer par rapport à son assiette. Alors, elle repose sur l'écoute active, donc ça veut dire que je dois faire un entretien de compréhension, poser des questions, on va dire, ouvertes. Le patient, il va donc me parler, il va donc, en quelque sorte, parler de son alimentation, et à partir de là, on va l'écouter, c'est ce qu'on appelle l'écoute active, et c'est à partir de là, donc, je dois éventuellement rechercher, c'est-à-dire les anomalies, et faire un bilan, c'est ce qu'on appelle le bilan diététique. Alors là, vous voyez, on pose la question, pourquoi je mange, comment je mange, donc ça c'est important, on doit regarder tous ces aspects. Alors c'est vrai, vous allez me dire, mais ça c'est le rôle du diététicien, mais bon, c'est vrai que le diététicien, il le fait, mais je pense que tout médecin peut le faire aussi à sa consultation, parce que habituellement, envoyer quelqu'un chez un diététicien, les diététiciens ne sont pas disponibles tout le temps, et même ceux qui sont dans le privé, on va dire que parfois ça coûte très cher aussi à un patient d'aller dans une consultation de diététique, mais on peut le faire en pratique, même dans nos consultations. Alors donc, la consultation diététique, bien sûr, elle a des objectifs. D'abord, ça permet quand même de faire perdre du poids. Ce sont des objectifs qui sont négociés et choisis par le patient. Alors là, j'ai mis par le patient et non pas par le soignant. Pourquoi? Parce que c'est très important. Ce n'est pas à moi de lui proposer une assiette, mais on va essentiellement donc regarder les anomalies de cette assiette-là, et c'est à partir de là que je vais essayer de lui proposer un changement en fonction de ses besoins. Et bien sûr, en pratique, on essaie toujours d'avoir des objectifs réalistes et non pas des objectifs, dire à quelqu'un, voilà, prends 5 fruits et légumes par jour, alors peut-être qu'il a une retraite de 9000 dinars, il est en train de nourrir 9 enfants, vous comprendrez que c'est irréaliste. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers des objectifs réalistes, et ce sont des objectifs, bien sûr, ciblés. Ok, donc à partir de là, on va vers la motivation. Et la motivation, histoire de lui dire, mais bah, d'accord, pourquoi vous mangez trop sucré? Alors, sachant que manger sucré, ce patient-là, on a vu que sa table, un petit peu, son assiette, elle est un peu sucrée. Alors, c'est très intéressant parce qu'il s'agit de voir un petit peu la motivation. Faire changer quelqu'un, c'est de regarder sur le plan motivationnel, et on utilise habituellement ce stade, donc on utilise le stade de Prochaska, le cycle de Prochaska, qui nous permet de déterminer le comportement de changement par rapport à ce patient. Alors, la majorité des patients, vous allez les trouver dans ce stade, c'est ce qu'on appelle le stade de contemplation. Alors, il va vous dire, oui, je sais que je suis diabétique, je sais que je suis obèse, je sais que je mange sucré, mais je continue à manger. Donc là, il s'agit de le motiver, ça c'est intéressant, et de lui dire, bon, d'accord, ok, vous mangez sucré, mais quel est l'intérêt de manger sucré, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Et le malade, il comprendra par la suite, il va faire cette balance décisionnelle, et c'est ça qui va déclencher en quelque sorte sa motivation intrinsèque pour changer par rapport à son comportement alimentaire. Très bien, c'est pour ça qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la démarche de soins diététiques, encore appelée la DSD. Alors, la DSD, il s'agit de faire un recueil des données, c'est ce que je viens de dire. Donc, on va faire les données donc nutritionnelles, faites à partir d'un bilan alimentaire, et on fait le diagnostic diététique. À partir de là, je vais dire, voilà, mon patient, il a par exemple une obésité, etc., etc., donc qui est lié à un problème et qui a entraîné. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le diagnostic diététique. Alors, à partir de là, on essaiera tout simplement d'évaluer, de faire un plan de soins adapté à ce patient. Donc, vous voyez que le plan de soins diététique, il n'est pas universel. Malheureusement, on voit certains qui essayent de proposer une assiette, un plat typique à tous les patients. Mais non, ça marche pas en pratique. Il s'agit donc de lui proposer un plan de soins diététique adapté à ses objectifs, à lui. Donc, si je regarde ce patient, ça commence par le recueil des données, donc on doit repérer, regarder bien, il ne s'agit pas de regarder juste qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il ne mange pas, mais le mode de vie, les attentes du patient, les habitudes et les apports alimentaires.
on doit aussi cibler rapidement les erreurs. Donc là, c'est de dire, voilà, Hadi, c'est une erreur, celle-là, c'est une erreur. C'est à partir de là que j'essaierai éventuellement d'aller corriger. Et je vais essayer aussi d'évaluer, bien sûr, les modifications apportées au futur modèle. Et on va aussi personnaliser les conseils. Alors, voici un modèle d'une enquête alimentaire. Nous, qu'est-ce qu'on fait en pratique? On essaie de regarder le nombre de repas, les collations, les heures de repas et qu'est-ce qu'ils mangent. Mais regardez, il y a des choses qui sont très, très intéressantes que malheureusement, on n'explore pas en pratique. D'abord, le cadre. Le cadre, c'est important. C'est de dire, d'accord, vous mangez, mais où? Est-ce que c'est dans votre travail? Est-ce que c'est chez vous? L'ambiance générale? Est-ce que vous partagez le repas avec votre famille ou bien vous mangez seul? Sachant que si on mange seul, habituellement, on est trop rapide que si on est attablé avec la famille. Et on sait bien que si on mange trop rapidement, bien sûr, on risque aussi de prendre du poids. Alors, on va demander aussi la durée de repas. Est-ce que réellement vous êtes en face d'une télé ou non quand vous grignotez, quand vous mangez? Donc, vous voyez que c'est important parce que en face d'une télé, vous avez compris que on s'oublie et on continue à manger sans faire attention, bien sûr, à la façon de manger. Alors, il y a aussi, regardez, et ça c'est très intéressant, de regarder les rapports aux sensations alimentaires. Les rapports aux sensations alimentaires, donc je poserai la question à mon patient Marouane, d'accord, quand vous mangez, quand vous avez, par exemple, faim, est-ce que vous continuez? Il va vous dire, il y a beaucoup de malades qui vont vous dire, oui, je le fais. Je continue à manger. Alors là, c'est quelque chose de très, très, très important aussi à regarder de près. Et on voit aussi des émotions. Mais qu'est-ce qui fait que vous grignotez? Est-ce que vous avez ce plaisir à manger? Est-ce que plutôt c'est lié à un problème de colère, de l'ennui, de tristesse, de stress, d'angoisse? Donc là, il s'agit d'agir sur la composante psychologique du patient et sur ce stress qui peut éventuellement alimenter éventuellement le grignotage. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas juste regarder ce qu'il mange, mais le cadre, les rapports aux sensations alimentaires et les émotions du patient. D'accord, à partir de là, qu'est-ce qu'on demande au patient? Donc, l'intérêt de lui faire, c'est ce qu'on appelle le carnet alimentaire. Alors, le carnet alimentaire, c'est comme le carnet du patient diabétique, comme on propose habituellement aux patients de nous faire un carnet. Là, on doit noter qu'est-ce qu'il mange, le contexte, les sensations et les émotions, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, tout ça doit être noté sur le carnet, il va nous le ramener. À partir de là, on essaiera tout simplement de discuter ensemble. La finalité, c'est quoi? Eh ben, regardez, c'est PES. PES, c'est quoi? Ça veut dire j'ai fait sortir ma problématique. Une fois que j'ai compris ce patient, donc j'ai fait sortir la problématique de ce patient par rapport à son état nutritionnel. Alors, il s'agit de comprendre, mais pourquoi il fait ça, les étiologies, les facteurs de risque, et le S, quels sont les symptômes? Alors, on va essayer de faire le PES chez notre patient. Regardez qu'est-ce que ça donne. Alors, mon patient, il a un apport excessif en sucre et en graisse. Là, vous voyez, c'est la problématique. En lien avec quoi? En lien avec un manque de connaissances par rapport à l'apport approprié, une faible motivation à diminuer la consommation. Donc, à travers le carnet alimentaire que m'a ramené mon patient, j'ai compris qu'il connaît pas réellement l'intérêt d'un bon régime, mais il n'était pas motivé à le faire. Donc ça, c'est par rapport les étiologies, les facteurs qui l'ont poussé à faire ça. Et les conséquences, c'est quoi? Regardez, comme en témoigne le poids et l'hypercholestérolémie. Ça veut dire, il a pris du poids, il est diabétique et en même temps, il fait de la dyslipidémie. Donc ça, c'est très important en pratique. Moi, je vous recommande de faire ça. C'est intéressant parce que on essaye, si le malade va comprendre qu'il a tout ça, c'est à partir de là qu'il va adhérer à l'assiette que je vais lui proposer. Donc, vous voyez que cette étape primordiale qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle le diagnostic diététique, est très importante dans l'approche nutritionnelle d'un patient diabétique de type 2. Alors, à partir de là, bien sûr, regardez, si je comprends, par exemple, si je vois ce patient, alors il mange trop, on va dire, il mange trop en glucides et en graisse, c'est ce que je viens de dire, en lien avec un manque de connaissances et qui se manifeste par un déséquilibre de son diabète, prise du poids et dyslipidémie. Et là, ici, regardez, on a des objectifs. D'abord, c'est-à-dire, c'est ça, c'est à partir de ce diagnostic diététique que je vais éventuellement proposer des objectifs diététiques envisageables avec Marouane. Et là, voici ce que je vais lui dire. Il y a des objectifs de consommation. Vous êtes obligé de diminuer les apports en sucre, en gras, en tenant compte des préférences et de l'appétit, pardon, du patient. Les objectifs cliniques, c'est équilibrer son diabète, sa dyslipidémie, réduire le poids. Mais aussi, il y a des objectifs éducatifs et informatifs. Et là, c'est les conseils qu'on lui donne et on lui propose le repas. Donc, vous voyez que
C'est à la suite de mon diagnostic diététique que j'ai tiré mes objectifs diététiques par rapport à Marwan. D'accord, donc on va parler maintenant, ok, d'accord, mais comment soigner son assiette? D'abord, on explique au patient, bien sûr, l'alimentation du diabétique, elle est comment? Elle doit se baser sur plusieurs choses. D'abord, on vous dit qu'elle doit être équilibrée. Équilibrée, ça veut dire quoi? Alors, toujours, on entend parler un régime hypoglucidique. Non, le régime du diabétique est un régime normoglucidique et non pas hypoglucidique. Alors là, vous voyez que 50 à 50%, 55% des glucides, sauf que l'index glycémique faible, c'est tout. Donc, les glucides, l'apport, il est normal. Protéines, 10 à 15%, lipides, 30 à 35%. Et bien sûr, chez les patients qui sont à risque de faire des hypos, surtout quand ils sont sous insuline, on peut lui proposer parfois des petites collations. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre, et ces glucides-là, parce que la question qui se pose par rapport aux patients diabétiques, alors parfois, il comprendra que les glucides se cachent essentiellement dans les aliments sucrés, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que en pratique, il y a d'autres aliments qui ne sont pas sucrés, mais qui sont fortement glucidiques, c'est-à-dire riches en sucre. C'est pour ça que une personne diabétique ne doit pas pour autant éliminer tous les glucides. C'est pas le cas, c'est pas ce qui est recommandé. On lui recommande tout simplement de diminuer la quantité de glucides et de proposer tout simplement les glucides à faible index glycémique. Alors là, regardez par exemple, je vous donne ce tableau-là. Donc en fait, vous voyez qu'il y a beaucoup d'aliments. Et j'ai encerclé quelques-uns. Et là, vous voyez que ce sont des aliments où c'est pas trop sucré. Prenons par exemple la pizza. La pizza, c'est trop riche en sucre, mais sauf que le malade, il vous dit, c'est pas sucré. Le pain, les pâtes. Alors là, vous voyez la pomme de terre. Donc, il y a des aliments quand même qui sont sucrés. Et là, le malade, il doit comprendre cette nuance entre le goût sucré et parfois les glucides qui sont complexes et qui se cachent dans des aliments qui ne sont pas forcément sucrés, mais qui ont un index glycémique qui est élevé. Donc, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'expliquer aux patients quels sont les aliments, donc bien sûr, qui sont quand même intéressants pour lui. Et là, on fait beaucoup plus appel, là, vous voyez, les produits céréaliers, c'est intéressant. Mais au fait, on va voir tout à l'heure que il y a des choses qu'on doit expliquer aux patients. Alors, il y a les légumes, les fruits, bien sûr, il y a le lait, les produits laitiers. Il y a aussi les légumineuses. Les légumineuses, c'est les pois chiches, les lentilles, etc. Alors, ça, c'est intéressant pour un patient diabétique. Mais si on regarde les autres, surtout les produits céréaliers, on va deviner qu'il y a certains produits où il faut réduire, bien sûr, la consommation. Alors donc, la quantité de sucre, de glucides que je dois proposer à mon patient, et ça c'est important, elle doit obéir à une chose qui est très intéressante, c'est de regarder d'abord à l'âge, le sexe, la taille, le poids, le niveau d'activité. Et voici ce qu'on vous propose en général. Pour un adulte, dans la plupart les adultes, ils ont besoin entre 45 et 75 grammes de glucose par repas. C'est ça le besoin alimentaire d'un patient diabétique. Alors, j'ai envie de faire une collation, voici ce que je recommande à mon patient, c'est entre 15 et 30 grammes de glucides. C'est ça au fait. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant on a des applications, ce sont des applications qui permettent éventuellement de quantifier la quantité de glucides et à partir de là qu'il saura que il va faire entrer donc l'aliment qu'il veut manger et à partir de là on lui donne la quantité de glucides qu'il y a dans cet aliment et il saura qu'il ne doit pas dépasser de préférence cette quantité-là. Par contre, il y a une exception peut-être pour les adolescents, les athlètes et les adultes jeunes diabétiques de type 1. Ceux-là, ils peuvent avoir des besoins plus élevés. Et dans le DTA, habituellement, on peut éventuellement proposer une insulin thérapie fonctionnelle, c'est-à-dire on adapte l'insuline ordinaire, l'insuline rapide, en fonction tout simplement de la quantité de glucides que doit ingérer ce patient. D'accord, donc on a compris ça. Maintenant, on va lui dire qu'il y a des facteurs quand même qui sont glucidiques, mais qui permettent de lui procurer une protection. Et là, c'est certains fruits et légumes qui sont riches en vitamines et en oligo-éléments, mais aussi, surtout, les fibres alimentaires qui font partie des sucres. Alors, pourquoi je parle des fibres alimentaires? Parce que c'est très intéressant en pratique. Les fibres alimentaires, donc, ça permet déjà une bonne digestion et aussi, ça permet de réduire l'absorption glucosée. Et ça, c'est très intéressant en pratique. Alors, donc, si je vois l'index glycémique, en fait, c'est ça. C'est l'effet hyperglycémiant d'un aliment comparé au sucre qui est de 100%. Mais la problématique, c'est que l'index glycémique, certes, on l'utilise. Alors, je vous montre ici les aliments qui sont index glycémique élevé, index glycémique moyen et faible.
Mais quand on regarde de près, par exemple, je vois la pastèque ici, je vois que la pastèque, quand même, elle est à 75 d'index glycémique. Je me dis, mais c'est élevé, je ne vais pas la conseiller chez le patient diabétique. Mais la réponse est non. C'est-à-dire là, on ne tient pas juste compte de l'index glycémique parce que l'index glycémique, malheureusement, il a ses limites. Et la limite de l'index glycémique, c'est quoi? C'est d'abord, il ne tient pas compte de la quantité normalement consommée, il ne tient pas compte de la proportion de glucides, donc de l'aliment, mais aussi il ne tient pas compte du mûrissement d'un aliment. Vous prenez une banane mûre ou une banane qui n'est pas mûre, c'est pas du tout la même chose. Et là, vous comprenez que la banane mûre, plus elle est mûre, plus l'index glycémique est élevé. Donc, l'index glycémique ne prend pas en compte tout ça. Et la transformation d'un aliment. Je peux prendre, par exemple, un patient qui vous dit, est-ce que j'ai le droit de prendre une orange pressée? Eh ben, quand on presse l'orange, on va la prendre comme ça, c'est pas la même chose. Presser une orange, eh ben, égale index glycémique beaucoup plus élevé. Donc, vous voyez que l'index glycémique, il a ses limites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise la charge glycémique. Alors, la charge glycémique, elle fait beaucoup plus attention à une chose qui est très intéressante, c'est la quantité de consommé et la proportion des glucides contenus dans l'aliment. Alors, regardez bien, la charge glucidique, c'est en fait l'index glycémique par la quantité de glucides que contient quand divise sur 100. Je vous donne un exemple très simple. On a toujours contre-indiqué les carottes chez les patients diabétiques. Cuites. Est-ce que réellement c'est une réalité? Peut-être c'est une réalité quand je vois l'index glycémique qui est élevé. Mais regardez la charge glucidique, en fait. Elle n'est que de 6. Eh ben non, la carotte peut être évoquée, proposée chez un patient diabétique. Eh ben, c'est vrai que quand on la prend crue, c'est mieux que de la prendre, bien sûr, cuite. Je prends le riz blanc cuit. La même chose. L'index glycémique n'est pas aussi élevé que la carotte. Mais regardez, c'est 56%, c'est moyen. Donc, je vais dire à mon patient, oui, vous pouvez manger. Mais quand je regarde la charge glucidique, ça dépasse les 10, 13. Eh ben, c'est très élevé. Ça sous-entend quelqu'un, quand il mange du riz blanc cuit, bah, c'est riche, hein, attention. Donc, vous voyez que la charge glucidique, elle est intéressante parce qu'elle nous permettra éventuellement de regarder d'autres paramètres que l'index glycémique, malheureusement, ne nous donne pas. Alors, je parlais tout à l'heure des fibres alimentaires. Oui, c'est intéressant. Regardez, ça retarde l'absorption des glucides. Ça contribue à la diminution du mauvais cholestérol. Ça participe à une saine gestion du poids. Donc, ça favorise même donc l'effet prébiotique, c'est-à-dire stimule la croissance des bonnes bactéries intestinales. Donc, voyez l'intérêt de proposer aux patients de prendre des fibres alimentaires. Et bien sûr, on a deux types. Bien sûr, c'est les deux types, mais les légumineuses qu'on utilise, ben, c'est intéressant pour un patient aussi diabétique. Alors voici, si vous voulez, donc un exemple d'index glycémique et de charge glucidique. Regardez, je parlais tout à l'heure de la pastèque. La pastèque, index glycémique 75, mais elle contient de l'eau, elle contient aussi des fibres alimentaires, et du coup, sa charge glucidique n'est pas élevée, elle est à 5. Oui, on l'autorise chez un patient diabétique. Prenons l'exemple de melon en bas. Alors, vous voyez bien que le melon, donc la charge glucidique, quand même, l'index glycémique moins élevé que la pastèque. Donc, on va se dire, oui, il peut manger du melon mieux que la pastèque. Mais la réponse est non, puisque la charge glucidique, elle, est plus élevée. Donc, vous voyez que en pratique, on essaye de faire la part des choses entre la charge glucidique et l'index glycémique. Bien sûr, il faut combiner les deux. D'accord, donc on a compris ça. Maintenant, la question qui se pose aussi, ce patient, je dois lui apprendre à calculer aussi et à lire les étiquettes. Malheureusement, nous, on n'est pas fait pour ça. Et regardez la lecture des glucides, c'est une méthode qui est très simplifiée. Alors le malade, par exemple, il veut prendre ce soda. Alors regardez la valeur nutritive pour 125 millilitres de ce soda. Il va voir l'étiquette. Je vais lui poser la question, mais quelle est la quantité de glucides que contient ce soda? Alors, il va me dire, c'est écrit 18 grammes. OK, 18 grammes. Mais regardez, c'est vrai que la quantité totale, elle est de 18 grammes, mais on a des fibres alimentaires. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? 18 moins 2, ça me donne 16. Toujours, il faut soustraire les fibres alimentaires qui sont bonnes, au contraire. Donc, du coup, la quantité vraie du sucre, il s'agit de 16 grammes disponibles dans ce soda. Alors ça, c'est intéressant pour les patients beaucoup plus qui sont sous insuline, où j'ai envie éventuellement de proposer, c'est-à-dire donc des quantités d'insuline en fonction bien sûr de la quantité de glucides que contient l'aliment. Donc vous voyez que c'est très intéressant aussi de proposer ça aux patients pour lire l'étiquette. Bon, l'ennemi ne c'est pas que le sucre, il y a aussi le gras. Et quand on parle du gras,
Donc ça, c'est une autre problématique parce que le gras, on a plusieurs types de gras, mais ce qui est préconisé, c'est essentiellement les gras monoinsaturés ou bien les gras insaturés. Et là, vous voyez que l'huile d'olive, oui, c'est bien parce que tout simplement, c'est une bonne huile. Mais faites attention par rapport à cette bonne huile parce qu'elle est calorique. Un gramme, c'est 9 kilocalories. Donc du coup, un malade, quand je lui propose de l'huile d'olive, mais à condition qu'il n'utilise pas en grande quantité, qu'il risque encore d'aggraver sa prise pondérale. Alors, les acides gras saturés, on sait malheureusement leurs effets néfastes sur le risque cardiovasculaire, sur l'obésité, sur l'augmentation du cholestérol. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ça, les polyinsaturés, les monoinsaturés. Et les études ont montré que ça fait baisser le cholestérol, ça fait réduire le risque cardiovasculaire. Donc, c'est ça ce que je dois habituellement proposer à mon patient. Bon, alors si on regarde maintenant, c'est-à-dire l'alimentation qu'on avait avant, c'était une alimentation méditerranéenne qui était saine. Et malheureusement, qu'on a complètement abandonné au prix donc d'une alimentation qui s'est un petit peu occidentalisée, et ça c'est très mauvais. Alors dans l'éducation du patient, donc parfois on utilise cette pyramide qui est quand même intéressante, la pyramide alimentaire. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il s'agit de faire des couleurs, comme vous voyez, tout ce qui est rouge, ça devient un petit peu à limiter, tout ce qui est vert, c'est, quand vous voyez l'eau ici, c'est à volonté, vert, c'est à volonté, les fruits, plutôt les légumes frais, etc. Donc, à partir de là, cette pyramide alimentaire permet quand même, tout ce qui est visuel est intéressant pour le patient. Plus vous lui montrez, alors si on parle comme ça, donc en braque, il va pas réellement, c'est pour ça que ailleurs, quand on fait ce qu'on appelle des cuisines, ils ont au niveau des services, des cuisines d'éducation, on leur donne des vrais aliments. Et à partir de là, ils vont comprendre quelle est la quantité de glucides et comment éventuellement utiliser cet aliment. Donc la pyramide, oui, on peut l'utiliser, c'est intéressant. Mais ce qu'on doit faire apprendre à un patient, c'est l'équivalence. Les équivalences, c'est quoi exactement? Alors, les équivalences, une équivalence, c'est le remplacement d'un aliment par un autre. Vous allez dire à un malade, écoutez, mangez 100 grammes, je sais pas, de petits pois. Mais c'est quoi 100 grammes de petits pois? Il peut pas comprendre ce que ça veut dire 100 grammes. Est-ce qu'il est obligé éventuellement de prendre chaque fois, c'est-à-dire donc la balance et peser ses... Ben non, la réponse est non. Donc, c'est pour ça qu'on utilise en pratique l'équivalence. Et l'équivalence, elle permet tout simplement, par exemple ici, 100 grammes. Je vais lui dire, si vous mangez 100 grammes de flocons d'avoine, c'est l'équivalent de 10 grammes de fibres. Ça, c'est une équivalence. Manger 170 grammes de petits pois, c'est l'équivalent de 10 grammes de fibres. Donc, voyez, et l'équivalence donc qu'on utilise permet de varier son alimentation et de manger équilibré. Donc, il saura que ce repas-là donc est équivalent à l'autre et ça lui permet de varier dans sa façon de manger. Ça, c'est très intéressant aussi en pratique. Alors, ailleurs, soit vous allez trouver donc équivalence, on parle d'une part, on parle d'une portion, ou bien les Canadiens parlent d'un échange. Quand vous trouvez le mot échange, égale aussi une portion. Alors, regardez par exemple, ici des équivalences, par exemple, pour 15 grammes de glucides. Donc, ce sont des équivalences qu'on utilise et qui permettent éventuellement, le malade, il est éduqué dans ce sens et ça lui permettra de mieux avoir. Alors là, regardez, c'est des équivalences alimentaires. Vous pouvez les trouver sur Internet, hein, donc il n'y a pas de souci. Par exemple, je vais dire un part de pain et c'est un sixième égale un sixième ou bien, c'est ça, une équivalence de pain, c'est l'équivalent de un sixième ou un tiers de baguette. C'est l'équivalent de 60 à 80 grammes. Donc, le patient, il est déjà, il connaît c'est quoi une part de pain. C'est pas la peine d'aller lui dire, voilà, 60 à 80 grammes. Donc, vous voyez que les équivalences alimentaires sont très intéressantes à utiliser, donc, en pratique. Alors, toujours est-il, donc, regardez, le plan alimentaire quotidien. Une fois que j'ai fait tout ça, donc, je lui ai expliqué comment il doit manger, c'est à partir de là qu'on va lui écrire les équivalences. Et là, il saura quelle est la quantité de glucides qu'il va prendre au total, donc, déjeuner, ou bien la collation, ou bien total dans la journée. Donc, vous voyez que c'est intéressant. Alors, voici un modèle d'équivalence. D'équivalence, donc, 20 grammes de glucides, et ça égale tout ça. Donc, vous voyez que si je lui recommande ça, les pâtes, etc., les lentilles, ou bien 200 grammes, c'est l'équivalent de 20 grammes de glucides. Donc, le malade, il saura déjà, s'il va prendre ça, eh ben, il a déjà mangé 20 grammes de glucides. Alors, c'est très intéressant. Ça permet au malade de diversifier dans sa façon de manger. Donc, ça, c'est les équivalences. Regardez aussi une autre façon par rapport aux glucides, du pain.
Donc, si on prend par exemple 70 grammes, c'est pratiquement la moitié. On va lui dire 70 grammes, c'est l'équivalent à peu près de 12 morceaux de sucre. Mais regardez, donc si je vois ici, par exemple, je vais lui dire 10 grammes, c'est ça, 20 grammes, c'est ça, 25 grammes. Donc, le malade, il saura. Alors, une part, on avait dit tout à l'heure, ça peut être un tiers jusqu'à un sixième de pain. Mais si je dis la moitié, donc là, vous voyez que c'est 70 grammes. Donc, ça, c'est très intéressant en pratique. Ça permettra quand même aux patients d'avoir une visibilité intéressante par rapport à la quantité de glucides. Je prends le modèle aussi des fruits, la même chose. Alors là, tout ce que vous voyez ici, ça apporte quand même 20 grammes de glucides. Donc, c'est une équivalence qu'on utilise en pratique. Maintenant, faites attention au soda. Au soda, bon, c'est vrai qu'en Algérie, on a malheureusement des sodas sucrés qui sont très, 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 on va dire, riches en sucre. Que je prends par exemple un coca algérien, il est plus sucré par rapport au coca en Europe ou bien ailleurs. Donc, c'est ça qui fait que tout simplement, malheureusement, le patient, donc, il est addict au sucre. Alors, à partir de là, est-ce que réellement les Coca Light ou bien, on va dire, les Soda Light plutôt, sont indiqués? Bon, la réponse est que, tout simplement, quand on parle de soda, etc., c'est vrai que tout ce qui est light ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de sucre. Alors, quand on vous dit sucre surajouté, sans sucre surajouté, je prends par exemple un jus d'orange light. Un jus d'orange light, ça veut dire qu'on n'a pas rajouté du sucre, tout simplement. Mais il y avait déjà de l'orange pressé, ça contient du sucre. Donc, c'est ça ce qu'il faut dire aux patients. Ils doivent comprendre ça. Donc, light ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sucre. Là, il doit toujours lire l'étiquette. Et c'est ça ce qui est important. Alors, il y a aussi des équivalences pour les lipides. Alors, regardez bien, ça, c'est des équivalences pour 10 grammes de lipides. Donc, on peut faire aussi des équivalences ici, 20 grammes de lipides. Regardez encore. Donc ça, c'est des équivalences que le malade pourra éventuellement comprendre. Maintenant, revenons à l'assiette. OK, ce patient-là, je lui ai expliqué tout ça, mais il doit comprendre une chose qui est très intéressante, c'est comment je dois manger. Alors regardez, ça c'est un modèle que j'ai tiré d'une diététicienne en France, c'est une Algérienne en fait. C'est très intéressant, pourquoi? Parce qu'elle utilise un modèle des 5 doigts de l'équilibre alimentaire. Et là, le malade, regardez, donc là, il va comprendre. Alors regardez, ici le A, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc, on a compris que ici il s'agit un petit peu, donc ici, c'est tout ce qui est pain, etc. Là, c'est des légumes, là, c'est des fruits, là, c'est tout ce qui est les produits laitiers. Et regardez ici, il y a le 6 et le 7. Ici, au niveau du poignet, de l'eau, ici, de l'huile d'olive. Et le repas égale 5 composants. Donc, il s'agit de diversifier dans la façon de manger de ce patient-là. Alors, si je regarde maintenant les 5 doigts en détail, regardez, je dois lui conseiller. Donc, le 1, c'est quoi? C'est tout ce qui est viande, poisson, les œufs. Donc, des apports protéiques. D'accord? Et là, voici ce qu'on propose habituellement. C'est un repas varié. C'est 1 à 2 fois par jour. Mais tout en insistant par rapport la viande qui est riche ou qui n'est pas riche en gras. Je prends par exemple le deuxième doigt. Il s'agit de féculents et du pain. Donc là, les féculents, on va lui dire, oui, vous prenez à chaque repas, mais à condition d'utiliser des quantités bien sûr limitées. Les légumes, là, vous les voyez, c'est vert à chaque repas. On peut les utiliser crus de préférence ou bien cuits. Les produits laitiers, c'est 2 fois par jour, plus pour les enfants, les adolescents et les femmes enceintes. Les fruits, 2, 3 fois par jour, ça contient des fibres, des vitamines. Les boissons, la seule indispensable, c'est l'eau, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et voici ce qui est recommandé, jusqu'à 2 litres hein, de par jour. Et les matières grasses, c'est à limiter, mais on peut proposer de l'huile d'olive. Donc, les 5 doigts, ça permet déjà aux patients diabétiques de mieux mémoriser, et ça, c'est très intéressant. Alors, voici, une fois que j'ai planifié avec Marwan, je lui propose un modèle d'assiette santé en fonction de ses moyens. Alors, regardez cette assiette. Elle contient quoi, au fait? Une assiette santé, déjeuner. Donc, il y a la moitié qui doit contenir quoi? Du pain, du céréal. Donc, ça doit, c'est ça. Mais si je vois, donc, la moitié, c'est de sucre. Mais là, j'ai quand même un quart, c'est des protéines et du beurre, du gras aussi. J'ai aussi des fruits. Donc, vous voyez que on essaye de proposer une assiette qui est quand même équilibrée. Alors ça aussi, c'est un modèle d'assiette aussi santé. Par exemple, ici, on a proposé, donc la moitié, c'est des légumes crus, donc ou bien cuits, avec des soupes salades. Il doit commencer par ça. Ensuite, il va prendre son repas, donc de résistance, soit de la pomme de terre,
des pâtes, etc. C'est un quart. Et un quart, c'est des protéines. Donc là, vous voyez qu'il y a toujours un équilibre entre les apports glucidiques, protéiques et lipidiques. Et c'est ça ce qui est préconisé pour avoir une alimentation variée. Alors le malade, parfois, il ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'on utilise, moi j'adore ça, alors, pas des équivalences, mais plutôt de lui expliquer quelle est la quantité. Dire à quelqu'un, vous mangez 100 grammes, c'est pas évident. Regardez ici, donc on est à gauche, les deux mains pleines. Ça, c'est la quantité de légumes idéalement trouvée dans une assiette. Ah, ok, je me colle. Voilà, si vous faites les deux mains pleines, c'est ça ce que vous allez manger comme la quantité de légumes. Le poids, regardez comment on l'utilise. Le poids, c'est la quantité de céréales ou un fruit moyen. C'est intéressant, non? La paume de la main, on l'utilise habituellement pour la portion de viande. Ah, voilà. Et l'épaisseur de cette viande ne doit pas dépasser l'épaisseur du petit doigt. Donc, vous voyez que c'est très intéressant. Le malade, il comprendra cette notion très intéressante, donc de façon de faire, ça rentre dans l'éducation. Allez, bah, vous vous demandez aussi quelle est la quantité du gras. Eh bien, la quantité du gras, c'est l'extrémité du pouce. C'est la portion du gras. Et si j'ai envie maintenant de voir aussi le pouce, on l'utilise comme l'extrémité là du pouce. Mais le pouce entier, c'est plutôt la portion du fromage. Donc, voyez que c'est ça comment le patient, il comprendra sans pour autant aller peser ses aliments. Donc, on a compris que tout ça, voici les détails de ce patient qui était un peu bizarre. Alors, regardez qu'est-ce qu'il me dit. Un morceau de sucre, il met déjà de sucre au café. Il prend du pain, de l'huile d'olive. En fait, il prend 80 grammes, c'est un tiers de baguette. Il prend 4 figues séchées avec de l'huile d'olive. Donc, vous voyez que c'est trop riche. Hein? Au déjeuner, il déjeune un repas rapide, c'est de sandwich, shawarma et des frites. Et il me dit, voilà, c'est des sodas sucrés qu'il prend. La viande est là de préférence vers l'agneau. Là, la pomme de terre, c'est plutôt des frites. Donc, vous avez compris que l'index glycémique est élevé. Il prend une orange avec une demi-banane et un tiers de baguette. Il prend aussi des verres de jus sucré. Donc, vous voyez que c'est quand même trop riche. Alors, ce Marwan, je dois lui expliquer que, voilà, c'est ça ce qu'il doit faire. Bien sûr, une fois que j'ai compris tout ça, je l'ai éduqué, il a tout compris. On doit réduire son poids, on va lui proposer un régime hypocalorique. Donc, du coup, il doit quantifier le nombre de calories par jour. Et bien sûr, il doit se situer entre 1600 et 1800. Il doit limiter les aliments sucrés. Donc, maintenant, il a envie peut-être, surtout par rapport à Ramadan, uniquement à la fin du iftar. Il doit réduire la consommation surtout du pain parce que le pain, c'est très riche en sucre, surtout farine blanche. Il doit privilégier beaucoup plus les baguettes aux céréales ou bien au son de blé. Et il doit aussi diminuer les aliments riches en graisses saturées. Et bien sûr, il doit aussi consommer de préférence, c'est-à-dire les fruits de façon de préférence crue et des laitages. Donc, voyez que ce sont des conseils que je dois poser donc à mon patient, que je dois négocier à mon patient en fonction de ses besoins. C'est ce que j'ai fait avec ce patient. Je l'ai mis sous metformine à dose maximale. C'est pas à dose maximale, il a toléré la dose de 1700, c'est l'équivalent à peu près de 2 grammes par jour. Il avait un bon équilibre, mais il revient 2 ans après avec un cycle glycémique et voici son hémoglobine liquée. Et là, je trouve que malheureusement, déjà, il démarre avec des glycémies plus ou moins élevées le matin, avec des glycémies préprandiales qui sont élevées. Et du coup, les postprandiales élevées, voici son HbA1c qui est à 7,8. Donc, je me dis, oui, ça a donné au départ, mais là, je pense quand même à un échec de la metformine, c'est-à-dire à la monothérapie. Alors, qu'est-ce que je dois proposer chez ce patient? Est-ce que je dois augmenter la dose à 3 grammes? La réponse est non. Vous le savez très bien que même si entre 2 et 3 grammes, c'est pratiquement la même dose. Est-ce que je dois maintenir le traitement actuel et rajouter un inhibiteur de l'alpha-glucosidase? C'est pas intéressant parce qu'il a déjà des glycémies basales qui sont élevées. Est-ce que je dois donner de l'insuline? Mais non, c'est pas toujours le cas parce que là, il est à 7,8, il n'est pas très déséquilibré, il n'a pas des signes d'insuline ou carence. Il faut aller vers une autre thérapeutique. Et l'autre thérapeutique, c'est de proposer un sulfamide hypoglycémiant associé donc à la metformine. Je peux maintenant deviner. Alors, bien sûr, vous allez me dire des incrétines ou bien des inhibiteurs GLT2. Oui, c'est intéressant pour lui. Sauf que, malheureusement, donc on les a pas encore pour certains et la problématique, c'est le coût. Donc, mais oui, on peut aussi proposer. Mais chez nous, on a une très grande expérience avec l'utilisation des sulfamides hypoglycémiants.
Mais certains de vous me posent peut-être cette question. Mais attendez, mais ce malade, il est dans le risque cardiovasculaire. Vous l'avez très, très bien dit tout à l'heure. Il est dans le très haut risque cardiovasculaire et vous voulez placer un sulfamide. Est-ce que réellement c'est intéressant? Maintenant, est-ce que la question qu'on pose, est-ce que réellement le sulfamide hypoglycémiant est sécuritaire en association avec la metformine et quel choix de l'hypoglycémiant? Pour répondre à cette question, c'est vrai que sur le marché, on a plusieurs. On a les sulfamides de première génération, les sulfamides de deuxième génération. Les sulfamides de première génération, moi je vous dis honnêtement, il faut les proscrire comme du glibenclamide. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont une action déjà hypoglycémiante très importante. Mais la problématique n'est pas ça. C'est parce que tout simplement, ils ont aussi un problème donc sur le plan cardiotoxicité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise donc les deux produits, soit le gliclazide, soit le glimépiride. C'est ce qu'on appelle les sulfamides de deuxième génération. Alors, si on s'intéresse au glimépiride, la Gemi-Iris, c'est pour vous dire qu'il y a un générique aussi de Infamidis qui s'appelle Iris, donc de glimépiride. Et là, au fait, quand je regarde ce produit-là, je me dis, est-ce que réellement, il y a des études qui nous montrent que réellement ce produit est sécuritaire sur le plan cardiovasculaire? Très belle étude qui est sortie, donc il y a 2 ans, c'est l'étude Carolina. Alors, une étude Carolina, elle voulait tout simplement... Donc faire la part des choses, c'est faire la non-infériorité de la linagliptine avec le glimépiride chez les patients tout simplement qui étaient dans le haut risque cardiovasculaire. On va le voir maintenant. Donc on a pris 2 bras. La linagliptine, comme vous le savez, c'est un inhibiteur DPP4. On est bien d'accord. Et on a le glimépiride qu'on a donné, donc c'est un sulfamide hypoglycémiant. Alors en fait, qu'est-ce qu'on a fait dans cette étude? Tout simplement, il y avait au départ plus de 10 000, mais en fait, le nombre de patients qui a été pris, c'était 6 000 patients, plus de 6 000, 6 033 exactement. Alors, il y avait un bras, on leur a donné la linagliptine, et un bras, on a donné donc du glimépiride, et le glimépiride qu'on avait donné donc à dose donc progressive de 1 jusqu'à 4 mg. Et la durée moyenne du suivi était de 6,3 ans. Qu'est-ce qui est intéressant de regarder? C'est que dans cette étude, et ça c'est très intéressant, on a pris des malades, non seulement qui étaient déséquilibrés, donc là vous voyez, il y avait le premier groupe qui avait une HbA1c entre 6,5 et 8,5, et qui est, c'est-à-dire il peut être traité sous metformine ou bien inhibiteur DPP4, et le deuxième groupe qui était entre 6,5 et 7,5. Et là, quand on regarde essentiellement les critères d'inclusion, on a pris des sujets qui ont une maladie cardiovasculaire avérée ou bien qui ont une atteinte d'un organe cible, les sujets âgés et les sujets qui ont plus de 2 facteurs de risque. Et là, on voit bien que on est déjà dans le cas de Marwan. À partir de là, regardez, 42% de ces patients avaient déjà une maladie cardiovasculaire établie. Ils avaient une durée moyenne de leur diabète donc de 6,3 ans. 37% avaient déjà plus de facteurs de risque. Et quand on regarde le nombre de patients qui étaient naïfs au traitement, c'était 9%, et il y avait 83% sous metformine. Ça veut dire que la majorité était déjà sous metformine. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a essayé de comprendre? Si on rajoute cette thérapeutique, linagliptine ou bien donc le glimépiride avec la metformine, qu'est-ce qu'on aurait comme résultat? Les résultats par rapport à quoi? Par rapport essentiellement au risque cardiovasculaire, c'est ce qu'on appelle le MACE. Et là, vous le voyez bien, c'est la mortalité cardiovasculaire donc fatale, c'est-à-dire donc un stroke fatal ou non fatal. C'est la mortalité aussi, l'insuffisance coronarienne, mais aussi le stroke non fatal. Et on avait même intégré donc cette histoire d'hospitalisation pour angine de poitrine. Alors donc, à partir de là, quand on a fait ça, on a essayé de comprendre cette non-infériorité, et ben, regardez, sur le MACE, si on prend le MACE, ça veut dire donc sur tous les facteurs de risque, là, aucune différence entre la linagliptine et le glimépiride, le sulfamide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sulfamide, donc et le glimépiride, n'a pas réellement de toxicité sur le plan, n'a pas du tout toxicité sur le plan cardiovasculaire. Et ça, on le sait parce que tout simplement, il n'a pas de récepteur au niveau de la cellule myocardique. Alors, si je regarde maintenant sur la baisse de l'HbA1c, c'est vrai que ça donnait mieux avec le glimépiride. Et ensuite, c'est tout à fait normal parce que c'est un sulfamide. Et après, les courbes se rejoignent. Mais on gagne sur quoi? On a essentiellement sur, c'est-à-dire donc le changement par rapport au poids. Alors là, le poids, c'est tout à fait normal qu'un sulfamide, on aura plus de prise du poids que comparativement à la linagliptine.
ce qui est donc attendu. Et ce qui est attendu encore, c'est par rapport aux hypoglycémies. Donc, on avait trouvé qu'il y avait plus d'hypoglycémie dans le bras glimépiride que l'inagleptine. Ça se comprend parce que c'est un sulfamide hypoglycémiant. Mais la conclusion finale, c'est quoi au fait? C'est que tout simplement, ces résultats détruisent le mythe que le sulfamide augmente le risque cardiovasculaire et innocente, du moins le glimépiride, de cette vieille stigmatisation cardiovasculaire en disant que voilà, ça peut augmenter le risque cardiovasculaire. Donc à partir de cette étude, Carolina, oui, elle est venue pour dire que le glimépiride est safe sur le plan cardiovasculaire et qu'on peut éventuellement continuer à l'utiliser en association avec la metformine et que ça sera quand même une bonne alternative, une bonne association. Voilà, j'arrive donc au terme de ma présentation pour dire effectivement qu'un patient diabétique, il ne s'agit pas juste d'agir sur la glycémie, mais plutôt d'agir sur tous les facteurs de risque. Alors, on va individualiser donc la prise en charge. N'oubliez pas essentiellement la prise en charge nutritionnelle. Et ça, c'est très important. Alors, la prise en charge nutritionnelle, malheureusement, qu'on oublie parfois, doit éventuellement faire, c'est-à-dire on doit faire un diagnostic diététique par rapport aux apports, les comportements, les habitudes. À partir de là, je dois établir un plan d'action avec mon patient, c'est-à-dire par rapport, le motiver déjà, et un plan d'action par rapport à l'assiette qu'il doit éventuellement manger, mais à condition que ce patient adhère à, bien sûr, à mon assiette. Donc, à partir de là, tout ceci dans le but déjà d'équilibrer son diabète, d'améliorer son poids, d'améliorer sa tension, mais aussi de réduire les complications dégénératives. Voilà, j'arrive au terme de ma présentation et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Aouich, pour cette présentation. Et on passe à des questions, Adil. Oui, Nabila. Donc, on commence par la première question. MACE et GPP, quelle est la relation? Comment? MACE et GPP. MACE et GPP, très bien. Oui. En fait, effectivement, bon, ça a commencé dans la fin des années 80. On s'est intéressé essentiellement quel serait le rôle de la glycémie postprandiale sur les complications dégénératives, essentiellement la macroangiopathie. Alors là, il y a eu beaucoup d'études. Il y a eu l'étude 10, il y a eu l'étude des codes, il y a eu l'étude Anfeld. Et qu'est-ce qu'on a fait au fait? On a essayé de faire la part des choses entre le risque cardiovasculaire. Est-ce que réellement c'était la glycémie à jeun qui était impliquée ou plutôt la glycémie postprandiale? Alors donc, après toutes les études qui ont été faites, ont prouvé que malheureusement, l'hyperglycémie postprandiale est un marqueur de risque cardiovasculaire. Donc, à partir de là, oui, laisser quelqu'un dans l'hyperglycémie postprandiale pourrait éventuellement alimenter le risque cardiovasculaire. Maintenant, la question qui se pose, mais comment on explique ça? C'est essentiellement parce que quand on est en hyperglycémie postprandiale, on va éventuellement entraîner une augmentation du activation du stress oxydatif qui va encore alimenter le risque cardiovasculaire. Donc, c'est par le biais de ce stress oxydatif bien sûr qui va entraîner la dysfonction de la cellule endothéliale et tout ça sera le point de départ des maladies athérothrombotiques. Voilà. Deuxième question. Est-ce que son rythme, par rapport à Marwen, son rythme de travail retentit sur sa façon de manger? Bonne question, très bonne question. Alors tout à l'heure, j'ai parlé des habitudes alimentaires, j'ai parlé aussi, même la profession, il faut la prendre en compte. C'est effectivement, c'est très intéressant ce que vous dites là. Parce que tout simplement, alors j'ai dit qu'il est peintre de profession, bien que peintre, donc il a le, c'est-à-dire il a toujours, parce qu'habituellement, il a du temps. Ce n'est pas comme un chauffeur de taxi ou un chauffeur, je sais pas, donc poids lourd, etc. Ou parfois, ils n'ont pas donc de quoi s'alimenter, on va dire surtout pour les chauffeurs donc de poids lourds. Donc du coup, il est obligé de s'arrêter dans un relais, etc. Mais pour un peintre, il peut s'organiser. Donc c'est une histoire d'organisation. Alors l'idée, c'est de dire à ce patient, écoutez, même si vous êtes peintre, ce qui est intéressant, c'est de vous organiser. Ça veut dire organiser. Donc le petit déj, il faut pas donc le négliger. Vous avez votre petit déjeuner, vous avez votre dîner. Alors le déjeuner, bon, c'est intéressant parce que tout simplement, il y a pas mal de gens qui se limitent pour un sandwich, etc. Mais c'est pas réellement ce qui est préconisé. Pourquoi? Parce que quand on mange mal au déjeuner, c'est le cas de Marwan. Qu'est-ce qu'il fait? Il mangeait mal. Bon, c'est un casse-croûte même. Il mangeait mal, mais au fait, il se rattrape au dîner.
quand il rentre, il se rattrape. Et se rattraper au dîner, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, on va s'endormir. Donc, tout ce qu'on a mangé, on va pas éventuellement le dépenser. Et c'est ça qui fait que malheureusement, ça va s'accumuler sous forme de graisse. Donc, ce qu'on préconise habituellement, c'est éventuellement respecter les principaux repas et pas de grignotage. Donc, il y a toute une éducation aussi à faire dans ce sens. Très bien. Normalement, cette question, vous avez répondu déjà, professeur. Comment calculer la quantité de glucides? Comment calculer la quantité de glucides? Bon, c'est très simple. Donc, déjà, vous avez soit des applications ou là. Bon, il y a une application, on va pas faire de la promotion, mais bon, je veux dire qu'elle est gratuite. C'est pour ça que je vous la donne. C'est GlucyCheck. Il s'agit tout simplement maintenant, en Algérie, on essaye de faire une autre application qui s'adapte par rapport à nos traditions alimentaires. Parce que vous allez me dire, quand je prends GlucyCheck, je trouve pas le harira, je trouve pas le chouchoura, je trouve pas ce qui est. Oui, c'est vrai. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se base habituellement sur cette application qui s'appelle GlucyCheck, mais il y a d'autres, beaucoup d'applications. Alors, en fait, l'idée, c'est de faire entrer le nom de l'aliment. À partir de là, vous avez le nombre de glucides que contient cet aliment en fonction, bien sûr, de son poids. Donc, et on a aussi le nombre de calories, on a le nombre de graisses, etc. Il nous donne tout. Alors, c'est intéressant parce que le malade, il saura est-ce que réellement son aliment, il est riche en glucides ou non. Donc, c'est une façon aussi de sensibiliser le patient. Très bien. Normalement, pour moi, c'est la dernière question, Adel. En pratique, quels sont les principes de base de régime hygiéno-diététique? Les principes de base des règles hygiéno-diététiques. Alors, effectivement, bon, les principes de base, je pense qu'on les a vus en détail. Alors, il s'agit d'abord, quand on dit règles hygiéno-diététiques, donc il y a deux volets. Il y a l'activité physique, il y a aussi la diététique. Alors, l'hygiène, c'est pas l'hygiène du régime, juste l'hygiène du régime, mais aussi l'hygiène par rapport donc à l'activité physique. Donc, ce qui explique que un patient, tout patient qui vient en consultation, qu'il soit DT1 ou DT2, on doit leur expliquer la notion des règles hygiéno-diététiques. Alors, l'activité physique, ce qui est préconisé, c'est l'activité physique d'endurance, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi, il faut leur dire que tout simplement, il faut éviter, voire même proscrire certains sports qui sont violents. Imaginez quelqu'un qui fait de la boxe alors qu'il a une rétinopathie diabétique, ça devient quand même un crime de le laisser donc dans sa profession, donc dans ce métier, parce que c'est un métier, un boxeur. Donc, du coup, je dois éventuellement préconiser donc de changer. Il y a des sports, des activités physiques qui sont à risque. Et ce qui est préconisé, c'est des activités physiques plutôt, on va dire, donc d'endurance. La marche aussi, c'est intéressant. Les règles hygiéno-diététiques, bon, on a parlé tout à l'heure donc par rapport le régime, bien que le mot régime, c'est à proscrire, parce que vous savez que le mot régime, il est venu, c'est un mot grec qui veut dire interdit. Un diabétique, il n'y a pas d'interdit. Il y a deux choses qu'on peut éventuellement leur proposer, mais de façon, on va dire, c'est-à-dire donc sans limite, mais il y a des choses qu'il faut limiter. Et c'est ça, au fait, si vous voulez varier votre alimentation à votre diabétique, il ne faut pas interdire. On n'interdit pas, on varie dans la façon de manger. Adel? Oui, Nabila, je pense que on prend une autre question. Oui. Alors, quel est le meilleur traitement hypoglycémiant chez le sujet âgé avec insuffisance rénale et hypoglycémie non ressentie? Insuffisance rénale DFG40. Alors, bon, là, insuffisance rénale, avec insuffisance rénale, bon, quand vous avez de l'insuffisance rénale, là, habituellement, on passe à l'insuline, on est d'accord. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains produits qui peuvent éventuellement être tolérés. Alors, je parle, par exemple, si je parle des sulfamides hypoglycémiants, les sulfamides hypoglycémiants, on les utilise pas quand l'insuffisance rénale est sévère, on est d'accord. Bon, on les utilise habituellement quand l'insuffisance rénale est modérée, d'accord? Donc là, bien sûr, tout en réduisant la dose de sulfamide, parce qu'il y a toujours l'augmentation du métabolite actif quand il y a une insuffisance rénale, ce qui explique le risque hypoglycémique, il est élevé, ce qui est normal, bien sûr. Alors donc, sachant que pratiquement tous les sulfamides et toutes les médications orales sont filtrées par le rat, donc du coup, quand on regarde un petit peu insuffisance rénale, sujet âgé, et donc ADO, on va s'apercevoir que pratiquement tous les produits sont contre-indiqués. Maintenant,
il y a certaines particularités, comme par exemple pour le glinide. Le glinide, bon, c'est un insulinosécréteur qui a une action qui est brève. Donc là, éventuellement, on peut le proposer. Sauf qu'il y a des études qui ont montré que proposer un glinide chez un sujet âgé, on peut avoir éventuellement plus d'hypoglycémie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Donc, même s'il est en insuffisance rénale, il peut avoir des... Alors, il y a aussi les gliptines. Bon, les gliptines que vous connaissez, les inhibiteurs DPP4, pour certains, on peut les proposer, c'est-à-dire en insuffisance rénale, même si c'est modéré, sévère, on peut proposer. Donc, mais pas pour toutes les gliptines, mais certaines gliptines qu'on peut proposer. Maintenant, si on n'a pas tout ça sur le marché, bah, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est l'insuline. Alors, l'insuline, elle est sécuritaire chez les insuffisants rénaux, surtout s'ils sont dialysés ou bien insuffisance rénale sévère. Très bien. Une autre question, professeur. Une fois l'insuline instaurée, est-ce qu'on doit arrêter la metformine? Alors, si vous instaurez la metformine, on l'arrête jamais. Alors, là, il faut quand même qu'on ouvre une parenthèse pour parler de l'intérêt de la metformine. Tout à l'heure, j'ai dit que la metformine, maintenant, elle a plus de 70 ans d'existence. Alors, on avait fêté le jubilé de la metformine il y a quelques années de ça. C'était à l'USD en 2017. Mais pour vous dire que la metformine, aujourd'hui, elle a on a une expérience d'utilisation qui est extraordinaire et la metformine, elle ne cesse de nous étonner par rapport à ses bienfaits. Donc, arrêter la metformine pour placer une insuline, la réponse est non. J'ai envie j'arrête peut-être un sulfamide quand j'intensifie le traitement insulinique. Et là, bien sûr, on est obligé donc d'arrêter le sulfamide et non pas la metformine. Dans quelles conditions faut-il arrêter la metformine? C'est quand il y a des contre-indications. Dès lors que je n'ai pas de contre-indication, on n'arrête pas l'insuline, la metformine. Parce que la metformine, elle va venir au secours de cette insuline que je propose. Alors, elle agit sur l'insulinosensibilité, alors que l'insuline, c'est une insuline, donc ça permet de mieux agir en périphérie. Donc, pourquoi arrêter s'il n'y a pas de contre-indication? Non, on n'arrête pas. Très bien. Donc, s'il vous plaît, quel est l'antidiabétique utilisé chez l'hémodialysé? Alors, je pense que j'ai répondu à cette question tout à l'heure. Bon, l'antidiabétique utilisé, bon, j'ai dit tout à l'heure que il y a certains produits qu'on utilise, par exemple certaines gliptines qu'on peut utiliser chez des insuffisants rénaux même dialysés. Mais aussi il y a le glinide, donc glinide, on peut les utiliser. Mais sauf que ça ne veut pas dire qu'on va obligatoirement le garder parce que certains malades, malheureusement, ils peuvent éventuellement, surtout chez les sujets âgés, ils peuvent éventuellement avoir des hypoglycémies. Donc, du coup, pour moi, honnêtement, un insuffisant rénal au stade de dialyse, de préférence, il faut le mettre sous insuline. Même si les recommandations nous disent que certains produits, on peut les utiliser. On peut utiliser ne veut pas forcément dire qu'il faut les utiliser. On peut utiliser, ça veut dire qu'il y a une sécurité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. D'accord. Adel? Oui, Nabila. Tu as des autres questions? Oui. Alors. Le meilleur moment de faire une activité physique au mois de Ramadan pour un diabétique bien équilibré. Alors, je suis passé ce matin à la télé, j'ai répondu à cette question. En fait, le meilleur moment pour un diabétique, c'est éventuellement, c'est pas avant l'iftar. Non, c'est très fou. Alors, on a toujours cette tendance que le diabétique, il essaye, pas le diabétique, mais en fin de compte, la population générale, elle essaye de faire de l'activité physique avant l'iftar. Ça, c'est très mauvais. Je parle des sujets qui sont à risque. Et là, surtout pas pour le diabétique. Le meilleur moment, c'est après l'iftar. Ce qui est préconisé, c'est 1 heure à 1 heure et demie après l'iftar. Ça veut dire que le patient, éventuellement, il peut déjà aller, puisque les 40 millions d'Algériens, on devient tous musulmans, pratiquants. Donc, du coup, Tarawih, c'est considéré comme une activité physique. Alors, ce qui est préconisé, c'est de demander au patient d'aller, déjà, il va choisir une mosquée qui est un peu plus, on va dire, loin par rapport de chez lui. Et donc, ça lui permet de faire de la marche, de digérer. Et en même temps, Tarawih,
C'est considéré comme une activité physique. Maintenant, on va pas rentrer dans cette polémique, mais Adlaham, c'est 30 minutes. Non. Mais il y a, bon, Tarawih, c'est considéré comme une activité physique. Ça veut dire, l'activité physique pour un diabétique, c'est après l'iftar, de préférence 1 heure à 1 heure et demie après, et modéré. Très bien. Donc, j'ai une question aussi. Est-ce qu'on peut associer glimépirate avec un schéma basal bonus? Alors, moi, je suis pas d'accord. Un basal bolus, obligatoirement, vous arrêtez votre glimépiride, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que quand vous allez, si vous placez, par exemple, une insuline basale avec de l'insulfamide, oui, je suis d'accord. Glimépiride, vous placez une insuline basale avec votre metformine, oui, je suis d'accord. Dès lors que vous êtes dans l'intensification à schéma basal plus ou basal bolus, arrêtez votre sulfamine. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, on peut éventuellement, chez certains, entraîner le risque hypoglycémique, mais c'est pas ça. C'est plutôt parce que quand vous avez jugé que vous êtes obligé d'aller dans l'intensification, ça veut dire que le capital insulinique de ce patient est complètement réduit. Et dans ce cas, on est obligé d'aller vers l'intensification. Alors, quel est l'intérêt dans ce cas de garder le glimépiride ou bien dans le sulfamide? Donc, du coup, non. Quand on est dans l'intensification, on arrête les sulfamides, on arrête les glinides, on arrête tout ce qui est insulino-sécréteur, on garde la metformine et on place les insulines lentes et les insulines rapides. D'accord. Merci, professeur Adel. Oui, Nabila. Donc, on a une question pour un diabétique équilibré par metformine à 2 comprimés/jour. Est-ce que durant ce mois de Ramadan, on garde les 2 comprimés ou on diminue, sachant que l'HbA1c est à 5,9 pratiquement? Oui, avec la metformine, il n'y a pas de réajustement pendant le Ramadan. Alors, je m'explique. Il n'y a pas de réajustement. Donc, si vous avez des malades, par exemple, qui sont sous 2 comprimés, on va dire 2 comprimés de metformine de 1000 ou là de 500 ou là de ou encore de 850. Alors, comment les proposer? Donc, c'est un à l'iftar, un à sahur. Il n'y a pas de risque. Même si vous avez une hémoglobine glycée qui est à 5,4 ou à 5,6, il n'y a pas de risque d'hypoglycémie avec la metformine. Ça n'existe pas. Donc, du coup, oui, je garde les mêmes doses. Maintenant, se pose une autre situation. Un malade qui est sous 3 comprimés. 3 comprimés, ça dépend le dosage maintenant. S'il est sous 850 ou bien le 1000. Dans ce cas-là, je supprime 1 comprimé. Ça veut dire que je ne garde que 2. Si maintenant, j'ai plutôt un malade qui est sous metformine, mais qui est sous 500 à 3 comprimés. Alors là, l'idée, c'est de lui donner 2 comprimés à l'iftar et 1 comprimé à sahur. Je ne suis pas obligé de diminuer. Voici comment on réajuste la metformine pendant le Ramadan. En parlant des sulfamides, Ramadan, donc pour le glimépiride, alors le glimépiride, quand on l'utilise pendant le Ramadan, c'est pas à sahur, mais c'est plutôt à l'iftar. Donc toujours le recommander à l'aden et non pas après. Merci, professeur. Très bien. Une dernière question. Oui. Nous avons là une question. En vrai, est-ce que la glimépiride 6 est aussi efficace que la... Donc, c'est le docteur Boudoumi Hamel qui veut savoir qu'est-ce qu'il y a en vrai, vraiment une différence entre le 6 et le 4. Alors, pour répondre à cette question, revenons un petit peu c'est-à-dire donc aux années de la création, en quelque sorte, de la découverte du glimépiride. Alors, le glimépiride, bon, initialement, quand il a été découvert, on avait au fait 4 dosages. On avait le 1, le 2, le 3 et le 4. Ça veut dire on a 4 dosages. D'accord? Mais après est venu le 6. Et le 6, c'est quoi le 6? Le 6, c'était suite aux prescriptions de médecins. Parce qu'au fait, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? On n'avait pas beaucoup de malades qui étaient insulinés. Alors, qu'est-ce qui se passe? On proposait de l'insuline et l'insuline, c'était quand même un problème psychologique extraordinaire pour les patients qui refusaient. C'est pas comme maintenant. Alors, du coup, qu'est-ce que faisaient les médecins à l'époque? Donc, on donnait, on essayait encore d'augmenter la dose. Mais c'était pas la dose que le laboratoire, donc, avait créée. Donc, c'était le 1, le 2, le 3 et le 4. C'est tout. Donc, on a créé cette dose de 6 mg. C'était des prescriptions des médecins. Donc, du coup, on donnait le 4 mg, 1,5 comprimé, ou bien les deux, les fameux 2 de 3. Avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le laboratoire, donc, certains laboratoires ont dit, tiens, puisqu'il y a le 6, on va faire le 6. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour vous dire, entre le 4 et le 6, effectivement, vous n'avez pas un grand bénéfice. Donc, le 4 et le 6, certes, vous pouvez éventuellement, je donne un exemple, vous avez un malade qui a 7-8,
Votre objectif, c'est de le faire passer donc à 7. Et vous voyez que vous lui êtes inférieur à 7. Et vous avez donc un objectif quand même de faire baisser de 0,8. Et le malade, il est sous glimépiride à 4 mg. Est-ce que vous allez vers le 6 ou bien vous allez intensifier avec un autre traitement comme l'insuline? La réponse, il faut intensifier avec un autre traitement. Parce que même si vous allez augmenter à 6, vous ne pouvez pas faire descendre de plus de... c'est-à-dire donc l'efficacité, elle n'est pas très importante. En gagne de 0,2, 0,3, mais pas plus. Merci, professeur Aouish. Adel? Merci beaucoup, professeur. Donc, je vous laisse le mot de la fin, professeur, avec un dernier conseil. Je dirais que, j'ai vu un petit peu le nombre de participants qui a atteint quand même les 180. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie pour l'intérêt que vous donnez et que vous avez pour cette formation continue. Je pense qu'on a beaucoup de médecins qui sont assoiffés par rapport le diabète, et voilà, ça nous encourage et ça nous permettra quand même de vous faire de nos mieux. Donc un grand merci au laboratoire Infamidis aussi qui fait beaucoup dans la formation continue, et le mot de la fin, c'est de vous dire lyoum lel tchek, donc saha, j'allais dire sahaftorkom, c'est plutôt saha ramdankom, inchallah yaoud alina bel khair, voilà, donc c'est ça, saha ramdankom, ici on se voit pas, saha aitkom. Merci. Inch'Allah, merci beaucoup, professeur. Nabila? Voilà, je dis merci pour d'avoir répondu présent à notre invitation. J'espère qu'on a répondu à vos attentes en termes de formation ou bien information de la prise en charge de patients, la prise en charge nutritionnelle de diabétiques type 2. Et je vous demande de rester branché pour les prochaines formations, Inch'Allah. Et merci pour votre attention et salam d'alaikum aussi. Merci Nabila. Donc pour ma part, moi aussi je vous remercie. Je vous informe que vous retrouverez l'intégralité du webinaire sur, comme à l'accoutumée, sur notre chaîne YouTube, les laboratoires Infamedis. J'espère que nous avons répondu à vos besoins en matière de formation. Et je vous dis, restez branchés avec nos prochains webinaires, Inch'Allah. Et Sahar Ramdankum. Et à la prochaine. Merci. Merci. Allez, à la khair, au revoir. À la khair.